Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette fabuleuse émission qui est le React. Aujourd'hui, je suis accompagné, et non pas accompagnant, puisque d'habitude, c'est Xari qui hoste cette émission fabuleuse, mais il est au ski. Et aujourd'hui, on a qui ? Il fait ça, mais avec autre chose, c'est notre ami Genius, comment il va ? J'ai rien compris. Je sais pas ce qu'on faisait. J'ai voulu placer un objectif. C'était un concept. Bon, tu m'as régalé. Et bonjour, bonjour le chat, la famille, un plaisir d'être là. Bah, on est content. C'est la deuxième fois que t'es là. Et franchement, ça, on m'a dit, j'y te veux, j'ai les larmes aux yeux. Et pour moi, t'es en gros, t'es le remplaçant de légende. De légende. Non, mais vraiment c'est... légendaire. T'es, ah putain. T'as tout pour être titulaire, à part les horaires de travail. J'allais dire, à part les followers. Je croyais que t'allais me casser. Non, à part les... Je me permettrai jamais, enculé. En deux. Non, quelle belle soirée. On va passer une très très belle soirée. Galé, messieurs, dames, dans cet épisode du React aujourd'hui, alors Marie déjà a fait des belles sélections. On a changé deux, trois trucs, évidemment, pour coller. Xari aussi m'a envoyé une petite suggestion. Donc on va faire du jour où tout a basculé. On a du confession intime et, comme tous les deux, on est quoi ? On est fans de télé. Non. Mais avant toute chose, on est amis. Oui, et encore. Qu'est-ce qu'on a en commun ? Chauve-toi. On a une femme. Mm-hmm. On est fan, on aime bien la télé. On est streamer. On se tape les côtes. Je comprends pas. On est père. Ah oui, putain. Putain, c'est ça. On a des femmes, mais voilà, le gosse, par contre, ça veut vite oublier. Non, on a Ralph, lui. Ah oui, oui, on est père. Bien, comme on est papa, une émission qui peut nous parler. Ouais, de l'époque, c'était. Putain, c'est quoi le nom déjà ? C'est quoi, elle m'a dit ? Elle m'a dit, quoi ? Non, c'est vraiment le bluff. Ouais, c'est vrai, une émission de l'époque. Là, et... C'est quoi le nom de l'émission ? Je suis depuis 11h là. Super. Super Nanny. Voilà. Super, si elle m'a dit, super Nanny. Ah, dit, mesdames et messieurs. Mademoiselle Valérie Schmitt, je ne vous attendais plus. Je suis désolée, je n'ai plus de temps que prévu pour venir. Très vite. Attends, je ne vous attendais plus. Je ne vous attendais plus. Elle dit Ask a Ghost. Mademoiselle Schmitt, je ne vous attendais plus. Je sens que c'est la 15ème prise. Tu sais qu'ils tournent tout en un jour ? En un jour ? En un jour, c'est vrai. Tu sais qui m'a dit ça ? Qui ? C'est le seul comédien qu'on a chez nous, Ted. Ted, il m'a dit que c'était très très dur parce que justement, il tournait tout dans la même journée et après, t'allais te faire foutre. Ouais. J'ai plus de temps que prévu pour venir. Montons très vite, mon temps est précieux. Je vous en prie. Mon temps est précieux. Je suis. Ah, ça y est. Ma cliente. Du coup, ça veut dire le titre, c'est ma cliente est folle de moi. Est-ce que tu penses que c'est elle qui est folle de lui ? Parce que là, il a. Bah, ma cliente. Les yeux qui. Après, il crie, ouais. Allez, on y va. Ton temps est précieux. Je vous en prie. Je vous suis. Christophe Robet est un ténor du barreau. Avocat de stars, très charismatique, il est devenu lui-même une célébrité. Vous avez quand même le droit de retirer votre veste. Il y a un problème aux yeux ou quoi ? Oui, pardon. Ça mais dégoûte. Frère, mais dégoûte. Dès son arrivée, mon attitude à son égard était inappropriée. Mais elle n'avait objectivement. T'as vu à faire toute l'émission les yeux ouverts comme ça ? Elle m'était juste imposée par une cliente. Insolvable. Bonjour à tous. Bon avocat, comme moi, ce genre de compromission était vraiment peu glorieux. Franchement, on va pas démissionner. Ça fait partie du quotidien. La seule façon d'en tirer profit, c'était de m'amuser un peu. J'étais comme dans les dessins animés, vous savez, le chat qui s'amuse à faire tourner une souris sur sa griffe avant de l'avaler tout cru. Non, mais vous comprenez pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est malade ! Il est malade ! Le mec écrit le scénario. Mais surtout, c'est inspiré de faits réels, donc ça veut dire que l'histoire existe vraiment. C'est vrai ? Ouais, il n'a pas dit ses paroles, le mec, j'imagine. Ah, vous savez, comme les dessins animés, là. Le risque, sur la griffe. Et surtout, ça. En gros, il est dit. Clairement, il peut terminer l'affaire en une seconde. Ouais, mais il préfère prend pas. Son temps alors qu'il est mal payé, débile. Combien on débile ? Il est complètement con. Les erreurs sont trop grandes, mais je vais quand même rester. Ouais, je vais quand même rester. Ouais. Genre, je suis en bolos. Alors vous voyez, moi je pense, c'est comme dans les grands magasins, quand on casse, on paie. Vous me suivez ? Écoutez, Maître Robet a dû. Et franchement, les mecs. Il y a un mec qui a compris l'histoire. Je veux bien qu'il m'envoie le résumé. Je n'ai rien pitié. C'est The Eternals. Non, mais c'est un film tiroir. Il y a des histoires partout. Je suis pas assez payé, mais je continue. Je suis pas assez payé. La souris, le chat, lui, quand on casse, on paie, on s'est marié. C'est l'amiable, c'est l'amiante. C'est le. Moi, je ta mère. Je ne comprends rien. J'ai rien compris. Mais par contre, quel délice. Par contre, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est mal joué ? Qu'est-ce que c'est bien joué ? Oh vache, putain, mais j'avais oublié que c'est court. C'est vraiment bien ce que tu fais. Je voudrais pas vous. Enfin, te baisser, mais. Quoi ? Oh non ! C'est quoi ? Oh non, mais le te, t'as genre. Mais l'acting est catastrophique ! Mais elle dit quoi ? Je voudrais pas vous. Te blesser. Ah, t'as dit ouais. Non, mais c'est Stevie Wonder. Isn't it love ? Isn't it love ? Isn't it wonderful ? Tu fais bien, Stevie. I have a tea !
Je vais péter un peu. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Attends. Oh là, il y a du tout là. Il y a du tout là. Oh, tu fais l'émission. Bro. C'est permis. Mec devient fou. Mais c'est bon, en régie, c'est juste. Je pense que c'est du fictif là. Mais c'est un rendez-vous, un contrat. Et puis... Par contre, je savais pas qu'avocat, tu baises autant quoi. Avocat. Le métier de baiser, apparemment. T'as une teco de malade. Par contre, ça allait trop vite. Bah, pas tant que ça. Le mec arrive, il est en mode. Oh, j'adore ce que tu fais, mets-toi. Ouais, quand même. Attends, plastique, tu sais, c'est des artistes, hein, tu sais. Géraldine a rencontré Valéria à la fac. Allez, pousse-moi tes chefs-d'œuvre. Quand elle et son ex se sont séparés, elle est devenue sa confidente. Est-ce que. Putain, on a Van Gogh là. On a du Picasso dans le. C'est un portrait robot. Il porte son robot des flics. C'est Jacouille. Mec, on a Guy Georges. Mec, elle a fait Guy Georges. Elle a fait Guy Georges. Mais c'est les premiers croquis d'Akira Toriyama sur les Super Saiyan. Hein. Franchement. Végéta avant le Covid. Mec, c'est là. Il n'y a pas une faute de goût. Hein. Voilà, l'artiste. Plastique 10 ans. Elle nous bouge de l'intérieur. Et t'es qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que spécialiste de nos cerveaux? La tête. Il a une tête. Regarde la tête. Regarde. Spécialiste de nos cerveaux. Je suis le Joker. Ah bon, c'est tendu. C'est toi le spécialiste de mon cerveau, tu pourrais tout me dire. Je dirais rien. Oh, tu le fais bien. Ah bon? Ton père. Tu le sens, je dirais rien. Je dirais rien. Je pense que c'est fier. Écoute-moi maintenant, espèce de sale. Oh, le 7 Écoute-moi bien, je vais te baiser. Écoute-moi bien. On se voit demain. Oh putain. Oh, bien, oh, mais génial. Oh, mais gros, il va péter son tête. Ah, il va casser son tête, gros. C'est horrible. Reste tranquille, ma femme et moi, sinon je te casse la tête. Je te casse la tête. Oh, s'il te plaît, mais. Oh putain, je te casse la tête. Laisse-moi, je ne veux plus discuter avec toi. Oh non, Valéria ne mesure pas la gravité de son geste. Oh le montage, quoi. Oh, il est pas du tout tombé là. Et il se retrouve genre le cou sur la marche du trottoir comme ça. Oh non, oh non, oh non. Il se retrouve sur l'église, il se retrouve sur la cathédrale. Et le pouce, c'est... Je crois que non mais, déjà c'est pas... C'est une drôle action, regarde. Laisse-moi. Et là, ça, c'est ce moment, elle est incroyable. Valéria ne mesure pas. Oh, quel épisode de fou. Ça, t'aurais fait. Il dort. Juste, il est en train de dormir, gros. Il dort. Ça n'a aucun sens. Là, il se réveille. Je te casse la tête. Pas la gueule. Attends. C'était triste. C'était régalade. Mais alors, mes niveaux. Franchement. T'as déjà eu une relation. Putain, j'ai hâte de voir. Gros, on est fort. On est excellent. Bon, c'est excellent. J'allais dire, t'as déjà eu une relation avec une dingus? Une dingus comme ça? Ça a toujours été mon cauchemar. Ça a toujours été ce que t'as eu? Bah. Que des meufs comme ça. Non, mais. Non. Tu vois, je laisse pas indifférent. Donc. Tu vois. Non, mais oui, Georges, Clooney. Georges. Non, alors, une fois. Alors, oui, moi, je veux savoir. Il y a une fille que je. Enfin, on est en émission smart. Oui, ensemble. Et il y a une fille que je connaissais à l'époque, voilà, qui était nette, mais il y avait un truc fou dans ses yeux. Et je l'ai embrassé pour la première fois au Futuroscope. C'est vrai, une fois au Futuroscope. Ouais. Dans la vie d'une dynamique. Du coup, il y a plus rien qu'à aller en sortie. Je vais te casser la tête. Je vais te casser la tête. Non. Futuroscope. Ouais, je l'ai embrassé au Futuroscope. Sur l'aérobar. Non, ça s'est fait, on était dehors, je sais pas, près du stand hot dog. J'en sais rien, on était dehors, quoi. Les Mini Boys. Mais tu me chies. Il me régale. Et puis, voilà, le temps avance. Longue relation, au bout de 2 jours, je me dis que. Longue relation, 30 heures. Ouais, je me dis, j'étais un peu jeune et je sais pas, il y avait un truc assez fou. Et je recroise cette fille-là, tu vois, genre, quelques années plus tard, tu vois, dans Neuilly. Okay. Tu vois, je marchais et tout. Et franchement, elle me regardait comme vraiment si j'étais incroyable. Et elle me propose un café. Je me dis, tiens. Je vais retenter l'aventure, tu vois. Okay. Je me dis peut-être que, tu vois, elle s'agit apaisée. Après, tu supputais à l'époque, tu savais pas vraiment. Ah non, je savais pas, je savais pas. Mais bon, tu vois, c'était une fille très gentille, tu vois. Et on prend un café, et franchement, frame 1, dès le début, tu vois, donc nos boissons arrivent. Et tu... Il est con. Enfin, lui, il m'a pris du café. C'est un truc hyper chéro, c'est pas question. Et du coup, dès la première minute de rendez-vous, eh ben, je me suis dit...
En fait, c'est la même chose. Ah ouais, elle est toujours dingue. Elle a commencé à dire des dingueries, tu vois, je suis content qu'on se soit retrouvés, tu vois, parce que ça peut aller loin, tu vois, etc. En plus, ça fait longtemps que j'ai personne. Depuis quand? Bah, depuis toi. En fait, c'était à 18 ans. Bah, c'est 18 ans que t'as grandi depuis. Et ouais, du coup, je me suis dit, faut toujours faire attention. C'est une gentille fille, tu vois, une très gentille fille, mais je me suis dit, ah, le jour où ça peut bien tomber, ça peut tomber mal comme ça. Mais alors, attention, là, c'est pas pareil, parce que lui, oui, non, il fait une faute. Non. Il fait une faute. Lui, toi, t'avais pas fauté. J'ai rien fauté. T'avais pas fauté, t'étais tout seul. Ah, j'étais tout seul. Ah, oui. J'étais tout seul, etc. Donc, t'avais tenté l'aventure. J'avais tenté l'aventure au Futuroscope. Et toi? Ping-pong. Non, moi, j'ai eu, non, mais moi, j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, de toute façon. Et puis, j'étais qu'avec des personnes plus ou moins saines d'esprit. Juste en asile. T'as quelques enfants en asile. Le malade. Non, moi, j'ai jamais eu ça. Et ça m'aurait fait câbler, quoi. Ah, mais de... Non, mais en fait, c'est un truc qui fait super peur. Oh. Parce que bah, c'est pas leur faute. Il faut se faire soigner, tu vois. Mais c'est horrible. Tu sais, l'oppression en permanence. Tu fais quoi, machin. J'ai vu pas mal d'épisodes du jour où tout a basculé où justement, c'est des gens qui s'inventent une vie, qui sont dans des relations. Exactement. Et qui vont trop loin et qui pètent en plomb. Et à la fin, souvent, ça finit en drame sur le coup de trop, quoi. Ouais, ouais. Et il faut ça pour qu'il y ait le déclic. Et donc, c'est catastrophique. Non, moi, j'avoue, j'ai jamais eu ça. Et surtout dans nos positions aujourd'hui, tu vois, où. Si tu rencontres quelqu'un, alors nous évidemment on est casés, c'est terminé machin. Mais tu vois, si la personne dans notre situation où on a un petit peu de visibilité, je dis bien un petit peu, moi un petit peu, toi beaucoup. Non, mais toi, non. Non, je suis un cafard. C'est le mec qui est dans la vue. Et ben, tu vois, tu te dis, la personne peut des fois en profiter ou on sait pas, tu vois. Donc, il peut y avoir des dérives. Ouais, des dérives. Des Gérard. Il peut y avoir des deals. Excellent, allez, machin. Voilà. Mais bon, pas pour Valébis en tout cas. Arrête. Ses cris et ses injonctions restent sans effet. Elle n'arrive pas à le faire obéir. Oh ma gueule, oh non. Oh ma gueule, man. Nous ne sommes pas pour la violence. Il faut le dire avant toute chose. C'est touchy, là, sujet. Mais il est possible, et il y a un mais, que dans cette émission, des mots dépassent notre pensée. Et même des gestes. C'est un disclaimer. Tu peux t'en prendre. Je prends l'entière responsabilité de mes propos pendant cette émission. Tu sais quoi? Je vais me battre. Non, c'est même sensible de me passer ça, parce que depuis une semaine, depuis la première fois, en 3 ans et demi... Il te teste. Violemment. Ah, ton fils te teste? Ouais. Il a été malade. Voilà, il fait quoi un peu? Il a été malade, et bon, cœur d'or, il est fabuleux, il est vraiment génial. Mais, comme tu dis, j'ai jamais été très sévère depuis 3 ans et demi. Et là, il s'affirme, il a été malade pendant 5-6 jours, costaud. Et quoi? Là, ça, c'est, voilà, il a la varicelle, là. Oui, varicelle, ouais. Non, moi, il a eu grosse grippe, tout, toute la nuit, gastro. Comme ça, on en parle. On l'a enterré, quand même. Non, j'éconne. Non, j'éconne. On était pas sûrs. Mais il est revenu, quand même. Et du coup, pour la première fois, il s'est mis des fois à nous taper. Des fois à nous taper. Taper comment? Genre, dans le lit, il fait une crise, il nous met des gros coups de pied, poing et tout. Une brise de soumission? À ta femme. Je te casse la tête. Écoute-moi bien, maman. Si j'ai pas moi compoté ce soir. Toi je te nique ta mère. Mais c'est moi ta mère. C'est moi. Ah, merde. Mais attends, j'y vais. mais du coup il vous teste un peu. Et du coup il me parlait hyper mal. Donc je le dis, hein, depuis la première fois là, il y a deux fois cette semaine, j'étais à deux doigts. À deux doigts de... Peut-être faire une chose que tu regrettes. Ouais. Mais je me suis dit, régler 3 ans et demi d'éducation. Fusil à pompe. En AGS, ça peut faire mal. Elle pompine dans ce... Ouais, c'est dur, vraiment, c'est dur. Vraiment. Moi, j'ai déjà mis une petite tape sur les fesses à ma fille. Oh. Ça m'est déjà arrivé, ouais. J'appelle la DAS. Services sociaux. Ouais, j'ai mis une fois une fessée. Quand j'appelle une fessée, c'est pas ça une fessée. C'est genre. Fessée, tu la mets sur les genoux à l'ancienne et elle faisait. Pas du tout. Elle m'a fait une dinguerie. Ouais, elle a pris une tape sur le cul. Elle a fait ça. Voilà. C'est la surprise, tu vois. Les tourments de tiens. Parce qu'en fait, ils essayent de te tester, de te repousser le suite en permanence. Et du coup, bah, comme tout être humain, t'as une patience, quoi. Donc, c'est dur. Franchement, c'est là. Et pour arriver à cet état-là, là, c'est que. Là, le gosse, tu plus 4 ans et puis ils font rien. Des fois, le petit doigt. Même les insultes. Oh là là, ma gueule. Oh man, mais Amdou, Lila, putain, mais franchement, si. Ça, c'est pas possible. We love. Destroy you. ta fille te fait ça. Qu'est-ce que tu fais littéralement? Ma fille me dit gros con. La vie de ma mère, comme moi, il n'y a pas de blague, des nani nana. Je la soulève comme ça, je la colle au mur, elle se dit moi je suis un gros con. Et frère, c'est le plus bel avion en papier que j'ai jamais eu. Et elle revient.
elle fait un tour comme ça, elle revient, et à chaque fois qu'elle revient, c'est quoi, gros? Et un autre tour, et un autre tour. Et je l'appelle Boomerang. Attends, ça suffit, gros. Tu. Viens, moi je vois pas l'anglais. Ouais, mais pas maman la casse-couille, alors c'est pas cool. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là. Oh, c'est non, fini. Il a entendu. Oh, il a dit, pas entendu. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Je sais pas, j'ai peur de Nani. De toute façon, vous comprenez pas qu'on se parle. Nani. Il m'a entendu. Ouais, et quelle heure il est, 6h? Oui. On va se lever peut-être. Il a qui refait des blagues. C'est pas bon. Oh là, il est très bon. Là-dessus, il est très fort. Parce que j'aurais peur de Nani aussi. On se remet la VAR. Ah, se lever. Ouais, mais maman la casse-couille, alors c'est pas cool. Sans maman la casse-couille. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Non, il a entendu. Vous avez entendu, non, monsieur. Cathy se retourne vers Véronique pour obtenir une réponse. Pardon, Antoine. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai bien entendu. Oui, maman, il a dit casse-couille. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? La mail? Pardon? Qu'est-ce qu'on la main? Il a dit qu'est-ce qu'on a fait là? On lui en met une, il a dit. Ah, il a dit ça, c'était... Je comprends pas. Bah, je peux traduire. Il parle algérien. C'est voilà. Ça. Mais, ouais. Il y a quelque chose, non? Vous allez rester près de lui jusqu'à qu'il s'endorme, voilà. C'est ça? Voilà. Ça, je dis rien. Je dis rien parce que. Parce que si je m'en vais, il dort. Non, pas. Non si. Aujourd'hui encore, Norman? Ouais. J'avoue, je fais blard. Il a été habitué à dormir. Explique-moi. Si. Explique-moi, je vais me fâcher. Quelle merde! Oui. Parce que tu sais, il a été habitué, première appart, on n'avait pas de chambre, du coup il dormait avec nous. Bah oui, mais parce que ça, c'est ce que tu nous disais. Oui. On n'a qu'une chambre et tout. On a dit, ok, là vous avez changé, vous avez un multiplex, vous avez 18 chambres. Bon, il a la sienne. Il peut dormir dans sa chambre. T'es les yeux de la tête. Alors, non, mais il dort dans sa chambre. Mais il se lève, tu sais, au bout d'une heure du matin, deux heures, il vient dormir dans notre lit. Tu vois. Et vous le refoutez pas dans son lit? Des fois, oui, mais. C'est qui commande à la maison? C'est qui? Non, mais gros. C'est ma mère, ma femme. C'est ma mère. Ma femme. Comment pardon. Ça? T'as eu 7 enfants avec ta mère? J'aurais préféré. Non, mais du coup, tous les soirs, il aime bien qu'on soit avec lui, qu'on fasse dodo avec lui. Mais ça va arrêter. Après, il est quoi, 4 ans? Non, Ginny. Ouais, non, mais attends, c'est pour ça que je dis rien. Ça, on laisse passer, je comprends. Ah non, ouais. C'est l'espace, c'est quoi ça? Non, mais il faut y arriver. Non, mais il faut là, je suis dans une période où ma fille se réveille tout le temps la nuit et tout. Elle me casse la tête. On est obligé de laisser la lumière allumée du couloir. Parce que si ouais. Et là, ouais, elle se lève, elle vient nous chercher, boum, on la remet dans son lit et on cède pas. Il faut pas céder, gros. Tu cèdes une fois, deux fois, ouais, c'est fini. C'est fini. Dans la poche. Ouais. Et il le sait. Ah bah, et après, quand tu vas vouloir resserrer la vis, il aura tellement été habitué. Il va pas comprendre, il va te regarder, il va te dire mais je comprends pas, on fait ça depuis 4 ans. Tu m'as pris pour ta pute. Il va te dire ça un jour et tu vas être choqué. Je vais choquer, je vais dire non. Plus tu perds du temps entre guillemets. Ouais, je sais, plus ça va être difficile, gros. C'est quoi 2022 là, à partir de janvier, c'est pour moi. C'est mon goal, c'est du matin. Attention parce que je suis de la main. Ah pardon. C'est pour moi. Je te lâche la main. Non mais tu vois c'est compliqué. Tu vois, en plus leur intimité, tu vois, c'est ouais, pas. Ouais bah pas... c'est ça, comment tu fais pour Wingardium Leviosa. Oh. Baiser un baiser, Harry. Il y a la baguette mais plus la magie. Depuis bien longtemps. Tu vas aller chez Ollivanders. Ce n'est pas le sorcier. Non, c'est pas ça. Qui choisit sa baguette, Norman. C'est la baguette. Qui choisit son sorcier. J'en ai bien l'impression. Tout m'énerve ce soir. Oh merde, putain. L'autre qui vient. Le mec qui s'en prend. L'autre qui vient se poter chez nous. L'autre qui vient. Je sais que c'est pas technique là. Ah, 3 ans et demi. Il n'est pas anticipé. Bon, c'est une belle émission. C'est une belle émission. Elle commence à serrer la vis quand? Qui ça? Nani. Bah, je sais pas. Bah, quand elle va commencer. Là, elle laisse 3 jours, je crois, d'observation. Ouais. Ah, et après, observation. Et après Dupont de Digonès. L'appel. Et voilà, j'ai serré la vis. C'est prochaine émission. Allez, ma tourne à vous. Ça fera 110 euros. Recherché dans 18 pays. Le truc horrible. Fait divers. Ouais. Allez, du K. Ok. Allez, le V. Il
libérer. Je te lance ça. Il visait pour mieux régner. Ah, je t'ai lancé sur un truc et tu me sens la dingue. Du mieux régner. Oh, on a des rêves. Oh, on a des rêves rapesques. Oh la vache. Il visait pour mieux régner. Allez, Fanny. On va l'avoir, nos familles. Viens là. Le caddie, il est là. Dépêche-toi. Allez, je mets pas. Désolé, on met beaucoup pas, c'est parce qu'on partage nos expériences aussi, mais voilà. Excellent. C'est pour ça que Marie a très bien sélectionné cette émission. Le programme, on est régalé. C'est génial. Ma femme a déjà eu. Bravo, Marie. C'est le chalet. Marie a déposé tout. Une crêpe sucette pour la deux. mec, laisse tomber celle-là. Magnifique. On lui amène un espresso là. Tu veux le plaid là. Excellent. C'est la magie. On va couper ça, tu vois. Il y a des budgets. On va couper tous les budgets. Ma femme, ça lui est déjà arrivé avec du coup sa mère. Elle avait fait les courses, elle avait pris la petite, elle a fait une petite crise. C'est déjà arrivé. Moi, vivant, ouais. c'est pas arrivé. Grosse crise comme ce qu'il fait là, c'est impossible. Ouais, non, c'est mort. Parce que moi, je vous le dis droit dans les yeux, je lui balaye sa mère. Ah ouais. C'est-à-dire que je l'allais faire et je prends sa mère, je la balaye. Ta pote, tu fais comme t'as l'air. Non, moi c'est très simple. Ça arrive, c'est je la prends par le callback et je sors du magasin. Tu sors direct. Je sors de suite. Il y a que ça à faire. Moi déjà de base, comme je suis, je n'aime pas me faire remarquer. Je suis quelqu'un de très discret, machin, etc. J'aime pas. J'avais déjà raconté ça plusieurs fois, mais mes beaux-parents par exemple sont très expressifs, parlent fort et tout ça, machin. Ah ouais. Moi j'aime pas ça dans les magasins. Je vous connais pas. Ouais. Ça va. Voilà, ça me gêne. Je suis comme ça de base. Alors ma fille, si elle se met à hurler et tout, non, c'est pas possible. Et heureusement. Ça va, il y a déjà eu deux, trois fois, tu vois, ça peut arriver. C'est des enfants, c'est des enfants. Jouer, machin, tu dis, bah non, il faut faire comment. Mais il faut être pédagogique. Tu te baisses, tu te mets à son niveau. Explique pourquoi. Tu expliques pourquoi, attends, et non, machin. Et généralement, ça passe parce qu'elle a un veau cerf, quoi. Enfin, ouais. Mais si ça doit arriver une énorme crise, moi, je sors du magasin de suite, quoi. Direct, avec le gosse. Ouais, parce que je peux. Il y a spectacle, c'est long, quoi. Il n'y a que ça à faire. C'était déjà arrivé, toi, Théo? Très peu. Peut-être une fois. Une dizaine de fois. Par jour. Très peu. Il y a que 4 ans, quoi. Non, c'est arrivé, franchement, pareil, il comprend, machin. C'est une fois dans un magasin de vêtements, on est sorti. En plus, tu sais, je me changeais quoi. Oui. Genre, j'étais en calebar, j'ai dû remettre mon truc, machin, je vais tomber. Ouais, laisse tomber. Il avait pété un plomb. Ah, il était là, papa, c'était comme ça et tout. J'étais agité mon truc, il ne voulait pas attendre. Il voulait le blouson Lacoste. Ouais, t'as vu le prix. Du coup, j'ai changé de blouson, j'ai mis dessus. Non, c'est léger, franchement. Ouais, c'est léger, non. C'est des petits trucs, mais je pense c'est que pas arrivé, s'il y a des parents qui nous regardent, et j'imagine, j'ose espérer, peut-être que tout le monde se reconnaîtra un peu dans chacun des petites méthodes, etc. Mais là, j'avoue que ça va très très loin. Ça va très loin. Cathy s'est fait une idée précise de ce qu'il n'allait pas dans sa famille. Allumez. Il a que 4 ans. C'est mon fils. C'est bon. C'est le React. C'est le React. En plus que Domingo a une coupure. Je comprends pas. On a 12 500 vues. On domine le marché européen. Une coupure de courant. C'est Homer Simpson. Oh, il est mort. C'est Homer. Il est de retour. Est-ce que tu m'as préparé mon donut sucré? Coupure de courant. On la rêve. Tu ne dors plus à côté de maman. Ce n'est pas ta place. C'est la laisse ton père baiser. Il n'en peut plus. Pour l'amour de... Regarde les chemises qu'il met. Ce duvet. Nous. Stéphanie, arrête de chouiner. Qu'est-ce que j'ai à te reprocher? Oh, la bastarde qu'elle a pris dans la gueule. Ça fait 4 ans qu'elle en prend plein la gueule. Oh, la bastarde. La bastarde. Sa vie, c'est de la merde. Mec. Elle se fait massacrer dans sa famille. Son père, sa mère lui chient à la gueule alors qu'elle a rien fait. Son frère, elle lui tape dans sa jambe dans le plâtre. Elle arrête de chouiner. Toi, je te reproche une chose. Tu fermes la gueule. T'arrêtes de chouiner. Tu es la principale responsable de tout ce merdier. De tout ce merdier. Tu vois, si tout le monde est malheureux là, c'est grâce à... parce que tu chouines. C'est grâce à toi. Oh putain, la pauvre, elle s'est pris. Oh, mais vraiment, elle est là, elle écoutait, elle est en mode. C'est qui ma famille va m'aimer. Ma fille, elle a dis pas dit, arrête de chouiner. Ah, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qui va rester à... oh, non, mais bon. Attends, Kokiko. On est dans une boucle quoi. Oh. On a plus. Elle a fait ça. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont très bons. Tu dis bonjour. Tu dis. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Maintenant, tu vas te mettre sous le drap. On dort doublé. Oui, on dort doublé. T'as compris, je t'ai dit une fois. Mais je veux pas. Et je t'ai dit une fois, ce sera pas deux. Donc tu vois, sur ce mur, là, il pourrait y avoir un poster. Eh bien, il y en a pas. T'aimes bien Spider-Man? On pourra peut-être en mettre un autre. Mais pour ça, il faut dormir. Tu dois dormir. Tu viens dormir avec moi? Non, je peux pas. Je vais aller en prison. Bah, on sait pas. Non, tu n'as pas le droit.
droit. Enfin, il sortait là-dessous. Enfin, je te dis que j'ai pas le droit. La voix de sorcière. Vraiment. Ben non, mon mignon. Mon mignon, j'ai pas le droit de venir avec toi dans le lit. Et je tape le mur. Et t'es un bouffon. Oh mon Dieu. Et vous, vous avez dormi où, monsieur? Avec ma femme. C'était bon, ça? Oui. Oh, mais ça... Oh, il y a fait une rupture d'anévrisme. Non, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud, putain. Oh, j'en rêve. C'était bon, ça. C'était bon, ça. Vous avez dormi comment, monsieur? C'était bon. Ah, bah, Est-ce que vous avez... Squirt. C'est mon bouillard. Il a quoi faire. Oh, stylé, la bagnole. Tu fais très attention. N'oublie pas, mon dodo. On n'a pas tous ces tests-là. Il va falloir que tu restes. Ça n'existait pas, surtout, mais ça, c'est... Ah, elle est bien. Ouais, j'avais pas... C'est Picasso. Oh non, non, non. Ça va piquer assiette ? Non, c'est pas ça ? Non, plus ludique. Cathy fait prendre un petit caddie à Antoine. Tout fier, il s'amuse à régler son pas sur celui de sa mère. Ok. C'est bien, là. Ah, c'est mieux que des cris dans le rayon des jouets. Horrible, il jette bien quelques regards d'envie, mais il ne craque pas. Ah bah, c'est bien. Les addicts, ouais, pardon. Maman, je crois pas. J'y crois pas. Tu es gentil, mon chéri. Non, c'est pas de la gentillesse. C'est normal. C'est pas de la gentillesse, oui. C'est tout simplement, il a obéi. Voilà. Comment elle se fait énerver? Non. Merde. Et on va pas non plus sucer, parce que la femme, oui. Tu obéis à ta maman. Quand elle dit non, c'est non. Maintenant, on va aller à la caisse, on paye et on rentre à la maison. Est-ce que tu as compris? Ça. Voilà. That's my girl, man. Mes parents, je fais que les insulter. Putain, merde, ils m'ont coupé, man. Ils m'ont coupé, man. Oh, c'est formidable. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Bah, tu m'étonnes. Eh oui. On va être pendu. Tu sais, la caméra et Nani s'en va. La paix. Tu vois un coucher de soleil et Nani qui s'en va comme ça. Ils sont comme ça, la famille. Avec un fusil sur l'épaule. Encore une mission réussie pour Nani. La paix règne enfin sur cette maison. Au revoir. Avec l'enjambe cowboy. Lucky. T'as pas peur de personne. Oh, tu m'as tué. Oh, ça me régale. Oh là là. Allez, on... tout le monde. Ça va, vous? Oui, impeccable. La musique derrière. Ah, ça va. Et c'est la première fois. Ah, c'est quoi? Blue Birds Fly. Sky is blue. Sky is blue. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah bon? C'est chanté par qui? C'est, tu sais, le haïtien, là, avec, oui, avec le banjo. Oui, il s'appelle Iz. Mais son nom est imprononçable, c'est genre Iz. Ah oui, c'est ça. C'est peu Iz, quoi, juste on l'appelle Iz. Ouais, mais il est décédé d'ailleurs, je crois. Aussi. Oui, bah, y a un moment, mais ouais. Somewhere over the rainbow, c'est un grand classique. Acapella. C'est moins spontané. Division. Allez, on s'en. Oh man, mais pourquoi l'escalope? Oh, la dinguerie. Oh putain. Ah, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Divitel. Hey, c'est votre salon, là? Ouais. Normal, je crois. Ouais, exactement. Hop, et là, il va se faire aspirer comme ça. Rat. T'as bossé la télé. Non, mais ouais, attends, y'a que ta mère pour croire que c'est de l'eau. Elle était excellente celle-là. Ah, elle était géniale. Et Cerizo, tout à l'heure, on parlait de pub. Ouais. Oh, rajoute-moi celle-là. Putain. Et il me dit putain, je l'avais oublié. De l'eau. Pas la vérité, je l'avais oublié. La vérité. Ah, j'ai dit, vas-y. Sur les jeux de automobile que j'avais oublié. Eh ben, il a mis pour moi. Ah, merci, Rizzo. C'est un truc de malade. Sur les jeux de automobile, j'avais oublié. Oh, putain, avec la ouais. Ils ont toutes les croyances qui passent. On est devenus juifs. D'un coup, après j'étais musulman, après j'étais chrétien, je sais plus ce qui m'est arrivé. On est être humain avant tout. C'est beau. Hein. Avec un grand H. J'en ai marre de nous, on se fatigue mutuellement. À Kirby, c'est Kirby. Et avis de femme en régie, les sourcils comme As, là, c'est qui fait.
Ah oui, ouais, Marie. C'est bah non, Rizzo, immonde. Non. Je l'oublie. Ah, on est d'accord. C'est immonde. Bah oui, personne c'est... ne fait ça. Ah, ah voilà. T'as deux femmes. Je vois Latifa, elle fait ça comme la, ça. La petite âne au fond, là. Latifa, non, et pas la, nous. La dernière fois, je t'ai vu arriver, t'avais un sourcil, ma sœur. Il arrivait jusque derrière. Elle avait une héros quoi. T'as vraiment envie que je réponde, là? Ah, dis donc, celle-là. Non, mais vous êtes déjà fait les sourcils comme ça, au fait? Ah non, c'est dégueulasse. Ah ben, à tout de suite. Merci. Non mais comme ça, on a notre joker, notre conscience. Après, c'est que on va dire ouais, sexiste machin. Non, c'est bon. Ah non, c'est le joker. Joker. Mais après, merde, c'est mes amis, mais merde. Y a un moment... Les goûts, les couleurs. Oui, vraiment. Toi, sourcil. Chez une femme. Ouais. Ah non, moi-même. Non, non, mais non. Pas t- non, ça se voit que non. Mais... non, mais chez une femme, est-ce que ça te surprend un peu comme ça de dire oh, dis donc, pourquoi? Alors, je vais être sincère avec toi. Alors. Quand c'est voyant, non, mais je vais être sincère avec toi. Dis-moi. Il te reste du Chesterfield. Dis-moi tout. Moi, la vulgarité ne me fait pas peur. T'as faim. Oh, il est à la dalle. Oh, sa mère. Moi, mon style est... Il a quel âge ton fils? 300 et demi. Il dort sur la béquille. Mon style vestimentaire, faut que ce soit une femme. Mon style de femme vivante. Vivante, voilà. Mais après ça, je suis très open. Non, on peut dire, mais. Bah, c'est pas... Ça me fait et pas peur. Même ma lutte vivra encore. Non, non, bah. Oh. T'as trop parlé, tu peux peut-être ajouter quelque chose. Pas du tout. J'étais moi très hilar à chaque fois. Non, mais. C'est dans les qui... Kirby tout à l'heure. Non, c'est trop pas. Ouais. Non, mais parce que. J'ai envie de dire une dinguerie. Non, mais. C'est des ressemblances, tu sais que je les trouve n'importe où. Bien sûr. Tu peux nous en dire plus sur cette. T'en vois qu'il y a un côté Didier Bourdon. T'en vois. Non. Didier Bourbon. En gros. En fait, il a filmé en gros plan. Et maintenant. Et maintenant, tu. Regarde. Attends, dans Madame Irma. Mais c'est vrai que. C'est Madame Doubtfire. Madame Doute. Madame Doubtfire. Ouais. C'est ça. Ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Bah ça finit comme ça. C'est la pub. Bah dinguerie, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette pub? C'est celle qu'on a déjà vue. Bah, oh, c'est incroyable. Avec le De Niro. Le mec il fait quoi? Oh, mais gros c'est De Niro. C'est la vie de manager. C'est De Niro. C'est De Niro. T'as raison. De Niro. C'est De Niro. Mais le. Mais la pause. La pause. La pause. Abogadoufling. Hey. Oh, c'est De Niro, frère. Je savais pas qu'il avait fait une pub pour Caramba. Ouais, ouais. Tu m'entends faire quoi, ouais? Vas-y, fais-moi. De Nitro. Envers De Nitro. Oh, merde, merde. Ouais, c'est Rizzo. Non, mais il l'a. Il l'a, non, mais Rizzo, il l'a. Bah, en même temps, tout ce qu'il joue, appelle, roue du temps, ce qu'il en tout. Oh, les amis, qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh, putain, je me suis... Super soirée. Merci, mon Gigi, l'invite, je me suis... Mais alors, vrai, t'as passé un moment. Ah, je me suis surrégalé. Encore une fois, j'ai passé un moment, mais je me suis délecté. Mais moi aussi. Et c'était incroyable. C'est un plaisir, j'espère que le chat, c'est il faut qu'on se fasse une session à trois avec le Xav. Avec le Xav. On l'a jamais fait, vraiment. Il était juste arrivé, tu sais, pour un build looking et tout. Ouais. À chaque fois que t'es venu, bah, les deux fois où t'es venu, c'est parce que Xari était pas là, soit il a fait Popcorn, il était pas là. Oui, il finissait, il rejoignait, ouais. Voilà, ouais, il avait pu rejoindre après Popcorn. Ouais. Et là, il était pas là du tout. Mais la dernière fois, j'ai dit, je vais prendre Genius avec moi, c'est un classique et tout. Il faisait un peu la gueule. Hein. Xari, bah, il est remplaçable. Ah non, non, mais lui, il faisait la gueule que tu viennes, tu vois. Il était en mode, oh non. Je dis, bah, désolé, je vais pas prendre un mec qui est nul pour tout parce que t'es pas là. Je dis, il faisait la gueule vraiment? Ah ouais, il fait, oui, bah, il a fondu en larmes en plateau. Putain, moi j'ai commencé, je rigolais, puis je commençais à dire. Non, il a mal pris. Son numéro. Non, mais après, je te conseille, lui envoyer un message. Appelle-le maintenant, même. Non, mais en gros, j'ai dit, bah, je vais prendre Genius. Ouais. J'ai par contre, ce qu'on n'a jamais fait, c'est faire l'émission au complet début. À 3. Ah, mec, ça c'est. Début à 3. Ça peut se régaler. Pour une date, et en plus, c'est bien parce que le mardi, c'est vrai que comme t'es là avant pour le récap, ouais, ouais. C'est un bon jour, je trouve. Genre une fois le mois, truc comme ça. Exactement. Et vous devriez tenter avec des invités. Vous avez jamais eu. Si, vous avez eu Amine. On a eu Amine. C'était un régalade. On a eu toi. On va. Erwan est chaud. Oh avec Erwan, ça peut, oh, Erwan, grosse, Erwan, grosse, ça peut régaler. Ça hein. peut être extraordinaire, donc on va se faire quelques trucs. Erwan, avec... ça peut régaler. Erwan, je l'ai chauffé tout à l'heure. Ah ouais. Donc ouais, on a passé encore une belle soirée là. Ah putain, toi Erwan Zari, ça oh peut. Oh là là, ça peut être fou, ça peut être complètement dingue. Bah écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un beau react. Nous, on s'est régalé, on a bien rigolé. Merci à Marie d'avoir préparé évidemment tout ça parce que le Super Nani était super bien trouvé. Okay. Évidemment, le Xav qui nous a envoyé ce qu'il faut. Rizzo, l'Ariane, Latif, au sort, c'est superbe. Latifus et les potes. C'est dur. Et les potes, je suis sans potes. Ça te fait du bien. Merci mon Genius. Merci mon Gigi. Merci à vous d'avoir regardé. On vous embrasse. On vous donne rendez-vous dès demain. Demain. Je suis des programmes évidemment pour le React. C'est semaine prochaine. Ciao.